détruire le monde. Chahuté lors de sa sortie par des groupes religieux américains, le patriarche Noé s'apprête enfin à réunir les animaux du monde entier sous la houlette du réalisateur de The Wrestler. Zoom sur une épopée apocalyptique qui pourrait bien s'attirer un déluge de critiques positives. Qu'est-ce que tu veux ? Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans ? Ce n'est pas de toi que cela protège. Il y a beaucoup d'idées reçues sur Noé. Il a une longue barbe, des sandales et une tunique. Il erre dans un désert doré. J'ai compris qu'on devait déjouer les attentes des gens. Alors avec mon équipe, on a fabriqué ce monde fantastique qui n'entre pas dans les clichés des films bibliques. C'est nouveau et inattendu. La première fois que j'ai vu les décors extérieurs du film, je me suis rendu devant l'arche. Elle s'élevait dans le ciel. Jusqu'alors, je ne l'avais vue qu'en photo, mais là, mon Dieu, c'était quelque chose. On va enfin pouvoir offrir cette histoire à des croyants et des non-croyants de par le monde, et c'est enthousiasmant. C'est un projet de longue date, et il me tarde de le partager. Noé s'est peut-être attiré les foudres des croyants aux États-Unis, mais la superproduction made in Darren Aronofsky porte en elle suffisamment d'images fortes et d'idées généreuses pour rameuter les spectateurs dans les salles. Un déluge de toute beauté.